J'avais oublié d'activer mon micro, je suis débile. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis encore tout retourné du dernier épisode. 29e en tout cas pour l'instant, 29e. Mais frérot, arrêtez. 29e épisode de notre aventure sur Far Cry 4 après avoir détruit le temple. Le temple, alors qui se situe d'ailleurs, on a fait le clocher donc on voit mieux maintenant. On avait fait le temple de Jalandu du coup là, hein. On va aller voir Amita aujourd'hui, mais d'abord on va faire la forteresse de Yuma. On va se chier dessus. Voilà, d'autant plus que, attendez, mais je me lance dans un truc, mais est-ce que j'ai des munitions? Ouais. Pas des masses en vrai, hein. Pas des masses. Bon, on va faire le temple de Yuma. Il fait nuit en plus. Attendez, là j'ai moyen d'avoir des munitions gratuites. Qu'est-ce qui lui arrive lui là? Ils sont parano les soldats ou ils ont consommé quelque chose là? Ils sont tous. Ils sont tous en train de. Alors attendez, je vais récupérer des munitions sur le gaillard. On va faire donc la forteresse de Yuma, bien sûr. C'est vrai qu'accroupi on marche vite. Et hop là. Merde! Là il y a une escorte que je peux faire, mais comme dit c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire là actuellement. Là j'ai vraiment envie de faire la forteresse de Yuma, comme ça il restera plus que Pagan. Là on va en chier, hein. Je suis en train de réaliser vraiment on va en chier. Je me lance dans un délire mon pote. Mais je me dis que comme dit elle a été affaiblie vu qu'on a tué Yuma. Donc c'est à dire que normalement il y a aussi des alarmes qui ont été détruites et tout, non? En vrai, qu'est-ce que tu veux toi? Non mais frérot, comment je me suis pas fait respecter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Je lui ai mis au moins 10 coups. Je ne sais pas, en tout cas j'espère que vous allez bien. Vous avez apprécié le dernier épisode, n'oubliez pas le like. Toujours sympa le petit pouce bleu. Allez, scanne-le-moi s'il te plaît. Voilà. Superbe. Superbe. Bon, j'ai un grappin, je peux monter. Ratugadi. Ratugadi. Bon, si je monte, je me fais défoncer ou pas? De toute façon, faut essayer. Une, deux, il y a trois alarmes déjà. Ah bah, elle a pas du tout été affaiblie, wesh. Elle a pas du tout été affaiblie. Grimper, je suis mort. Si je me chie dessus, je saute, hein. Ok. Ok. Oh là là, ça pue du cul ce qui se passe. Ça pue du cul. On n'empêche pas l'ennemi d'entrer. Il nous empêche de sortir. Hein. En effet, c'est gênant. Oh là là. Oh le bourbier. Ok. Oh le bourbier. Ah. Est-ce que je peux grimper discrètement ou pas? Bien sûr que non. Ok. Ok. M'as-tu vu? Ok, j'arrive pas à le scanner, si c'est bon. Oh my god, il y a 4 alarmes frère. Oh my god. Genre, pourquoi il s'excite lui? Personne peut le voir là. Ah! Il va monter l'échelle. Je suis un homme mort. Bon bah voilà. Encore deux alarmes. Attention en dessous. Entendu. Ils doivent pas gagner de terrain. Oh là là, je suis désolé, je parle plus là. Quoi? Oh non. Je peux pas monter là?
Non. Bon, tant qu'ils appellent pas les renforts, moi je suis content. Hein. Oh là là. Ok. Encore une alarme. Oh, comment je suis pas yimbe. Oh putain. Je suis un crack intersidéral. Ok. Incroyable. Incroyable. Eh. Ne reculez pas. Dispersez-vous et cherchez des signes de l'ennemi. Un signe de l'ennemi, tu veux? Regarde bien. J'en ai ras-le-bol de ces conneries. Moi aussi. Ok. Bah, il reste plus que le masto, les gars. Hein. Allez, salut. Ah non, il reste encore le chien, je crois. Ah ouais. Oh putain, c'est incroyable. Oh, incroyable. Et c'est ma plus belle forteresse. Oh. Oh non, je suis bouche bée, je sais même pas quoi dire. Oh, je sais même pas quoi dire. Vraiment, hein. Oh, je compte sur vous en commentaire pour me... pour me pomper le dard. Alors du coup, ceci étant dit, ceci étant fait... Forteresse de Ratugadi conquise, les soldats de Human attaqueront plus d'avant-postes libérés de la région. Parfait, parce qu'en plus on n'a pas eu de problème encore d'avant-poste attaqué dans cette région, donc c'est absolument parfait. Je suis absolument heureux, on va aller voir Amita. Bon. Bien joué, Edge. Avec Ratugadi, tu as pris presque toutes les forteresses de Pagan. Et maintenant que Yuma est morte, il aura du mal à garder le contrôle du Kirat. Ah oui, alors du coup maintenant Sabal il me fait la gueule, hein, du coup. Hein. Maintenant c'est Amita la chef. Hein. Ah là, vous l'avez voulu, hein, les gars. Hein. Maintenant la chef c'est Amita, hein. Donc c'est elle qui va me parler. J'ai été empoisonné au mercure. Œil pour œil. Non, on va pas faire ça. On fera ça, t'inquiète, mais ultérieurement. Oui, y a pas un... voilà, une armoire. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Donc j'espère que vous aimez Amita quand même, parce que sinon là vous allez l'entendre. Hein. Animal numérique, ce truc là. Usage recommandé, vendre. Bah pourquoi il me le vend pas? Ah, portefeuille plein. Ah ouais ouais ouais. Mais si j'achète des armes, après on va me dire que je suis impatient. ah non, mais attends, je suis bête. Voilà. En fait, je me tâte à enlever le. À reprendre un RPG. Je me tâte à reprendre un RPG. Parce que c'est sympa ça, mais. Le RPG, au moins, c'est un one shot quoi. Arme spéciale. Prédateur. Munitions. On va peut-être reprendre le RPG en vrai de vrai, hein. Il est où le RPG d'ailleurs? Parce qu'on rigole, on rigole, on voit pas le fond du bol. Le RPG il est où là? Je suis aveugle. Arme. Je suis aveugle. Il doit être sous les yeux mais je ne le vois pas. Il est là, RPG, hop, voilà. Bon. Aussi j'ai des points de compétence à m'attribuer, messieurs dames. Regardez le rouge par contre qui va se transformer en vert. Magnifique. Amita elle est là, on va y aller. Compétence, j'ai 12 points de compétence. Et j'ai débloqué plein de choses. Cette seringue, bon, attends. Oh, offre une barre de santé supplémentaire. Let's go. Les seringues, voilà. Donc là maintenant, un coup de seringue et j'ai toute ma santé d'un coup. 6 barres. 6 barres. Les armes à feu vous infligent moins de dégâts. Les armes ont plus de mal à vous toucher quand vous déplacez. Moi je pense ça c'est bien ça. Voilà, il me reste un point de compétence que je ne peux pas claquer pour le moment. Donc très bien. Ah, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon ça. Allez, Amita, quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. On va aller voir Amita. En plus, il y a un hélicoptère. Hop. Ça, c'est fait. Je suis tellement content de l'avoir fait comme je l'ai fait. On l'a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait. Hein. Allez. Je suis heureux. Hein. Je suis très heureux. Parce que les derniers épisodes, j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup ragé. Et là... Le revers de la médaille. On commence à bien déchirer quoi. Et en plus le soleil se lève dans la vallée de Yara. Et ça fait plaise. Pagan il va pas être content hein. Ça tombe bien.
Ça tombe bien. Ah là, pauvre temple détruit là, regardez. Il est en ruine quasiment là. Ouais, il tient encore debout, hein. Bon, Amita, t'as intérêt à me faire un petit cadeau, hein. Bon, enfin bon. À bon entendeur. Par contre, sa balle, il va vraiment me mettre deux claques, hein. Hop là. Ah oui. Tu pourrais te fermer un peu. Je te l'avais promis. Sa balle est partie, tu ne crains plus rien, Badra. Oublie la Tarun Matara. Ramène-la au camp. On ne sait pas où est sa balle et je me méfie de lui. Il se passe quoi avec sa balle? Pas maintenant. On a de plus gros problèmes. Pagan va attaquer Utkarsh avec son artillerie. On ne peut pas le laisser faire. Détruis ses canons avant qu'Utkarsh soit rayé de la carte. Très bien, j'y vais. Oh, mais la vallée de la mort. Dans la vallée, putain, rejoignez Kalesh. Alors, plein de jeux de mots. Déjà, elle parle de Karcher. Ensuite, Kalesh. On fait un tour de Kalesh ou quoi? Et puis, Kalash, Kalashnikov. Bon, beaucoup de blagues à faire. C'est la fin du jeu là où il se passe quoi? Parce que bon, mine de rien, en vrai de vrai... en vrai de vrai, c'est la fin du jeu. Bon, il reste deux avant-postes sur le chemin. Un clocher ici. Moi, je serais tenté de faire le clocher si déjà, hein, c'est sur le chemin à peu près. Rejoignez Kalesh. Ah, mais peut-être que ça marchera pas vu qu'on est en mission. Ça marchera peut-être pas vu qu'on est en mission. Bon, allez, on va rejoindre Kalesh directement. Hop. Attends, on va prendre celui qui est déjà droit là. Allez, 1 km à hélicoptère. Ça use les hélices. N'oubliez pas le like. C'est par ici que tout commence. Waouh, c'est beau là par contre. Une vraie carte postale, hein. Une vraie carte postale. Vraiment. Vraiment. On aurait pu essayer quand même de faire le pylône radio là. Bon, pas grave. En plus il y a un avant-poste sur le chemin. Il y a plein de trucs sur le chemin quoi. Mais on va se laisser le plaisir de faire durer tout ça. Donc on va pas faire maintenant. On va aller à Kalesh. Peut-être faire du cheval. Je force avec mes blagues. Je sais. On me le dit souvent. Waouh. Eh, on est sur Sons of the Forest ou quoi là? Eh, c'est vrai, hein, on dirait Sons of the Forest carrément. J'adore. Ce jeu est magnifique. PS3 à l'époque, hein, je le rappelle. Avec 15 FPS. Ah. Ça va partir en couille encore. Ça balle. Il faut que tu évacues la ville. Je ne vais pas évacuer uniquement parce que tu le dis. Unité d'artillerie actée. Ils ont raté. On envoie des gardes vers votre position. Il se passe quoi là? Tuer tous les ennemis. T'entends? Ta balle. Évacue nos hommes. Je ne vais pas abandonner. Ils visent notre position. Libérez la fréquence. Bon. Bah, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je comprends rien ce qui m'arrive. Merde. Je comprends rien à ma vie, il y a un sniper je crois. Il est où le sniper? Oh non. Allez. Impact. Ouais bon. Guerrier du sentier d'or. Je vous ordonne d'évacuer. Allez, on évacue la ville. Restez en position. Ça balle. Oh non. Ah ouais, mais là, Utkarsh, il prend cher, hein. La ville, elle prend cher quand même, hein. Je suis là, j'arrive. Après, les gars, je suis tout seul, hein. C'est pas malin, quoi. Je suis au premier canon. Comment je fais pour le détruire? Occupe-toi des soldats. Des renforts arrivent. D'accord, bon, les canons, il faut pas les détruire, alors, ok. Tuer tous les ennemis.
Hein? Bah je joue pas à cache-cache frère, regarde. Mais t'es où? Gale, Gale, Gale. Il y a beaucoup d'ennemis quand même. Ouais, je vais prendre la hauteur hein. Ah. Voilà, toutes tes balles à côté, un vrai plaisir. Hop. Hop. Ah, c'est gênant. Ok. Mais vous non plus, vous savez pas à qui vous avez affaire. Je suis AJ Gay, fils de moine. Ah merde. Je suis aveugle. Ok. Bon, Utkarch, ça va en vrai hein. Voilà. Bon. J'ai tué tous les ennemis là, non? Il en reste encore? Tuer tous les ennemis en ville. Vous appelez ça une ville? Ça ressemble à tout sauf à une ville ça quand même hein. Ah attendez, je vais sortir mon meilleur sniper. Hop. Ah. Ah. Ok. Bah t'es où? Ah là. Je t'ai vu bouger. Mais il est caché aussi Il est caché. Il est chiant lui. D'où ça vient? Ça vient de là? C'était le dernier. Où sont les renforts? On arrive sur ta position. AJ, on a des soldats derrière nous. AJ, protège les sapeurs qui viennent vers toi. Ils s'occuperont des canons. Ok. Alors attends, ça c'est les gentils. Ok. C'est ça vos renforts? Tu déconnes. Ok. Déjà j'aime ce qui se passe. Ok. Protéger les sapeurs, ouais bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Ah il pose les bombes, très bien. Ah c'est bien, ils viennent tous du même endroit. C'est pratique. Aïe. Je sais pas où vous êtes. Ah. C'est bon? Allô? Bon là je piche pas trop. Bon allez, ça m'a saoulé frère. On va sortir le sniper. Voilà. Magnifique. Voilà. Bon, vous posez les explosifs? Yes. Mais vous savez que j'aurais pu le faire, hein, poser les explosifs. Hein. Parce que là... Allez! Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, la mission est buggée. Ça y est, ils ont enfin mis les explosifs. Allez! Oh, c'est long. C'est gênant, hein. Voilà. Attendez, on regarde le truc pété, attention. Voilà. Protéger les sapeurs. Attends, bouge pas. Voilà. J'ai bien fait d'avoir pris le RPG, je le savais. Je le savais. Allez, bon, on avance, on s'élance. En fait, je suis trop fort pour le jeu, je pense. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça prenait du temps. C'est parce que j'avais déjà fini avant que ce soit fini, normalement, quoi. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Mais je peux faire péter, moi, si vous voulez, les canons, hein. Je peux pas faire péter moi-même le canon ou je vais échouer la mission, je vais rien faire. Je vais rien faire, je vais faire échouer la mission. Vas-y, vas-y, fais péter. Protège-nous pendant qu'on pose les explosifs. Bien sûr. Ok, vas-y, fais péter. Voilà. Voilà, venez voir. Venez voir papa. Je vous attends moi. Voilà. Voilà. Voilà, très bien, bonsoir. Allez. Hé, mets la bombe là, 3 secondes. Ah, ça c'est gênant. Bon voilà. C'est bon?
Allez, mais vous l'aviez mis. Non frère, c'est trop par contre, c'est abusé. Mets ta putain de bombe. Ah c'est dommage, la mission elle a du potentiel mais elle est un peu elle est un peu gaspillée quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si t'étais pas intervenu, je sais pas comment ça aurait fini. La vache. Même pas une égratignure. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Inch'Allah. Allez. C'est bon. Ça va péter. Voilà, allez. Ok, vous voyez l'hélicoptère? Hélicoptère, hélicoptère. Ah. Ah, plus. Par contre, j'ai plus de lance-roquettes. Hein. Donc, attention, hein. Protéger les sapeurs. Et pour les sapeurs, allez, allez, hip hip hip. Ah, je serais tenté de détruire moi-même le truc, mais j'ai peur d'échouer la mission, donc la flemme un peu, quoi. Ouais! Elle est où la mitrailleuse? Là. Là. Ah, peut-être pas le meilleur endroit du coup là. J'arrive! Ah là, ça va se corser! Ça va se corser! Non! J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, c'est pas grave. Quittez la zone et enfuyez-vous. Ok, let's go. Allez, salut. Allez, salut. Oh non. Voilà. Allez, bande de nulos. Je me casse. La vallée de la mort. Mission terminée, bon ben voilà. Ça y est, vous êtes sauvés. Ils auraient rasé Utkarsh sans ton intervention. Ah. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils te doivent. Tu as mérité de souffler. Mais pas longtemps. S'il te reste encore des choses à faire, je te suggère de t'en occuper. Le Kirat aura besoin de toute ton attention pour l'assaut final. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Je m'attendais pas à ça, mais ok. Bon, on arrive sur la fin du jeu, quoi. On arrive sur la fin du jeu. Le dernier truc qui nous reste à faire, c'est le... Alors là, très difficile, le goulag. Va falloir aller voir Amita, mais Amita, ça va être la fin du jeu, quoi. Donc, avant, faut qu'on fasse Yogi et Regi, faut qu'on fasse le Tanka de Shangri-La, qu'on fasse les différents clochers. Longinus également, donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas fini pour autant, mais... En tout cas, niveau de la quête principale, ben, c'est la fin, parce que... Bah parce que c'est la fin quoi. Oh, l'avant-poste il a 3 alarmes frère. On essaye ou pas? Est-ce qu'on essaye ou pas? Ça mange pas de pain hein. Au pire j'abandonne hein. Mais c'est juste pour voir, j'ai 5 seringues. Niveau munitions bah c'est pas terrible. Ah j'ai plus de roquettes. J'ai plus de roquettes. Alors on va juste regarder un peu à quoi ça ressemble. On va peut-être pas le faire en fonction 2 parce que ça m'a l'air d'être assez Attendez, il y a de la fleur bleue là. Ce qui va me permettre de confectionner les seringues. Bah voilà, comme ça on va avoir un petit aperçu de ce qui nous attendrait par la suite. Bon. Bien. Il y a du people hein, par ici. Y a du people, bon, on va plutôt se concentrer sur le clocher hein, mais comme dit juste de passage pour voir un petit peu ce qui pourrait nous attendre par la suite hein, parce que bon je m'en suis bien sorti et là ça va être un peu complexe. Vas-y, on va prendre la seringue pour voir. Hop là. Oh là. En fait y a pas tant de monde que ça hein, mais c'est les 3 alarmes le problème. C'est les 3 alarmes le problème. Ok. Je sais pas du tout où sont les alarmes. C'est aberrant.
Désolé, je vais pas trop parler du coup. Je comprends pas où est l'alarme. Je comprends pas où est l'alarme. C'est un immense honneur de servir le roi Mine. Je suis probablement débile, mais je sais pas où est l'alarme. Ah putain, elle est là. Quel débile. Bon, première alarme, j'ai la deuxième en vue. J'ai la deuxième en vue, donc sans trop tarder. Voilà. Alors. Vas-y, connard. Essaie encore de me baiser. Je te jure que tu vas le regretter. Ah, lui, il m'a cramé apparemment. Mais c'est le seul qui m'a cramé, hein. C'est le seul qui m'a cramé, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, alors j'ai un problème de mastodonte par contre. Il y a deux mastos. Mais où est la troisième alarme? Je comprends pas où est la troisième alarme. Alors on va faire le tour, de toute façon. Plus personne n'est là. Ah, j'ai dit qu'on la ferait pas, on la fait quand même parce que bah, je suis un beau gosse. Évidemment, c'est une plaisanterie. Lâchez pas la pression. Je peux tirer pendant des heures. Bien reçu. Je suis deg, l'alarme. Attention en dessous. Neutralisez la menace. L'alarme, elle est là-haut, vite. J'ai l'alarme. Alarme toute désactivée, let's go. Bon. Lâchez pas la pression. Bien joué ça, bien joué. Eh. Est-ce que je suis pas un génie en vrai? Attends, je peux l'assassiner par derrière? Ouais, c'est bon. Ah. Ah. Voilà, allez. Eh les gars, n'hésitez pas à me pomper le dard encore une fois, hein. Oh, si jamais, hein. On a fait une forteresse dans le même épisode, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a fait la forteresse, on a fait un avant-poste assez balèze. Bon, voilà, n'hésitez pas, hein. Ça fait plaisir. Hop. Incroyable. J'adore ce jeu. Ça demande quand même un certain skill, hein. Le mec, il a besoin vraiment de se faire saucer. Allez, les amis, hop. Du coup, bah là, on va en profiter, hein, pour les prochains épisodes. On va s'éclater, faire des petits trucs, missions secondaires, ici et ça, parce que, bah, tout simplement, on arrive sur la fin du jeu, vous l'aurez compris. Portefeuille plein, bah ça va être l'occasion d'acheter des conneries. Alors, des trucs qu'on a besoin bien sûr. Mais on va pouvoir. Alors, carte, on a tout acheté. Munitions, bah on a tout du coup. Arme spéciale. Ça, c'est un fusil à pompe. Vas-y, mais je vais acheter des conneries, mais pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je ne sais pas. Taureau. Space 12, incroyable le Space 12. Ça, ça lance grenade, ça aussi, ouais. Lance-flamme, 700 nitro. Et on va acheter Space 12 pour le fun. Juste pour dire qu'on l'a acheté, mais on va même pas l'utiliser. Voilà. Bah, arme de poing, on peut rien faire de plus, franchement. En vrai, on a tout ce qu'il faut, c'est un truc de zinzin, quoi. C'est un truc de zinzin. Et niveau compétence, bah écoutez, on va se débloquer le double des dégâts. Hop là, voilà, comme ça, ça fera mal au mastodonte. Et je peux même continuer à prendre cette compétence pour bénéficier d'un bonus 5% de karma. Ok, je vais avoir un boost de karma, c'est bon ça. Ah, on peut acheter ça à l'infini. À prise 2 fois sur 10. Ok, on peut acheter ça x 10, d'accord. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Bah écoutez les amis, on va faire ce clocher dans le prochain épisode et puis on va... On va s'amuser pour le reste en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cet épisode absolument intense pour le coup, vraiment un épisode assez incroyable. J'ai beaucoup kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, le dislike, le commentaire et l'abonnement. A demain 16h les amis, c'était Mkolo, je vous fais plein de bisous.
Ciao tout le monde.